Le Kyrgyzstan exclut toute menace d'épidémie de peste bubonique. 160 personnes ont pourtant déjà été hospitalisées dans ce pays d'Asie centrale. Et l'une d'entre elles, un garçon de 15 ans, est décédé dans l'est du pays. Il aurait été piqué par une puce provenant d'un rongeur, peut-être une marmotte. Les autorités de Bishkek accusent les médias étrangers de désinformation visant à porter atteinte au tourisme dans le pays. Elles affirment que la situation est sous contrôle, notamment dans la région d'Issyk-Kul. La population locale est inquiète à l'image de cet homme. Si le gouvernement ne trouve pas assez d'argent pour stériliser la zone d'où est partie l'épidémie, qui peut donner des garanties? Personne ne peut nous garantir que cela ne va pas revenir l'année prochaine, ou pire, se répéter rapidement. La Chine et la Mongolie ont décidé de ne pas envoyer leurs sportifs devant participer à des compétitions dans cette région. Le dernier cas de peste bubonique au Kyrgyzstan remonte à une trentaine d'années.